Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier. Vous osez faire fête? Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah, mon Dieu, fi. Comment? Ah, fi, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? Par quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements, ô ciel, sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires, à de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs et traitant de mépris les sens et la matière à l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère, en exemple à vos yeux que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous aux productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler.
Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre ? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité. Trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte? Et quand son cœur pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi. Et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur. Découvrez-en le fond et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux, est en droit de prétendre. Non, non. Je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens et sais comme embarrasse le contraignant effort de ses aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras, un tel pas ne me jette. Et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte. Vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle. Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert,
sous leurs joues, sans mépris différent. Il régnait sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux. Et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie et que de vous, enfin, si fort, on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer et bien impertinent de me le déclarer. Doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui nous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur sur vos leçons veut régler sa conduite et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois, qu'ici vous daignerez vous employer pour moi, appuyer sa demande et de votre suffrage, presser l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite. Et pour y travailler. Votre petit esprit se mêle de railler. Et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous. Et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise ? Elle mérite assez une telle franchise et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous pue de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante.
Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots, et clouée de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit, son monsieur Trissotin, me chagrine, m'assomme. Et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un Benet, dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère, il a grande puissance. Vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour où s'attache son cœur, il veut de tout le monde y gagner la faveur et pour n'avoir personne à sa flamme contraire jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Mais monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru. Et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne, ce qu'étale en tout lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qui se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit et qui ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela. Jusque à sa figure encore, la chose alla. Et je vis, par les vers qu'à la tête il nous jette, de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits que rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageai que c'était Trissotin en personne et je vis qu'en effet, la gageure était bonne. Ah, quel conte ! Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame, et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement veut aller la demande et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Ouh, la figure est à droite.
Et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirais qu'Henriette, Alimène est rebelle et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Eh, madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour et que sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage. Pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais adieu. Pour ce coup, cela doit vous suffire et je vous ai plus dit que je ne vous l'ai dit. Mais votre erreur. Laissez, laissez, je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est faite un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime et sage. Non, 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 je ne veux plus rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. T'as rien vu d'égal à ses préventions. Bon, allons commettre un autre aux soins que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. Oui, oui, je vous porterai la réponse au plus tôt, j'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire, jamais... Garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non. Mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute. Et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduit ici mes pas et je me réjouis que vous en fassiez cas. J'ai connu feu son père en mon voyage à Rome. Oh bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans. Et nous étions, ma foi, tous deux de verts galants. Je le crois. Nous donnions chez les dames romaines. Et tout le monde là parlait de nos fredaines. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'emmène à ces lieux. Clitandre, auprès de vous, me fait son interprète. Et son cœur est épris des grâces d'Henriette. Quoi? De ma fille? Oui. Clitandre en est charmé. Et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non, non. Je vous entends, vous ignorez l'histoire et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur?
Les tendres abusent vos esprits et c'est d'un autre objet que son cœur était pris. Vous raillez. Ce n'est pas Henriette qu'il aime. Non, j'en suis assurée. Il me l'a dit lui-même. Eh oui. Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux, on ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien, tous deux, vous mettre hors d'erreur. Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi. Vous? Moi-même. Eh, hey, ma sœur. Qu'est-ce donc? Que veut dire ce « hey » Et qu'a de surprenant le discours que je fais? On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycida peuvent bien faire voir qu'on a quelques appâts. Ces gens vous aiment? Oui. De toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchement ont tous fait leur office. On ne voit presque point Céan venir d'Amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout, Dorante vous outrage. Ce sont emportements d'une jalouse rage. Cléonte et Lycida ont pris femme tous deux. C'est par désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères. Ce sont des chimères, dit-on. Chimère, moi, vraiment, chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimère, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. Mais, encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur. Et tiens son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien, il n'a pas l'abondance, que... C'est un intérêt qui n'a pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors. Et puis, son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre favorable. Il suffit, je l'accepte pour gendre. Oui. Mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons. Vous moquez-vous, il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme. Et prends sur moi l'affaire. Mais... Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez rien. Je vais la disposer aux choses de ce pas. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler sans délai.
Vous voilà bien chanceuse. Hélas, l'on dit bien vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et service d'autrui n'est pas un héritage. Et ce donc avez-vous, Martine? Ce que j'ai. Oui. J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui. Madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude et je ne veux pas, moi. Quoi? Je vous vois. Maraude. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non. C'en est fait. Hé hey. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens... Non. Elle sortira, vous dis-je, de séance. Eh bien oui. Vous dit-on quelque chose là contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme, avec raison, vous chasse coquine. Et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle pour donner matière à votre haine? Casser quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous, figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable? Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelque guerre ou quelque plat d'argent? Cela ne serait rien. Oh, oh peste la belle! Quoi, l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pis que tout cela. Pis que pis. Tout cela? Pis. Comment diantre, friponne? Hein? A-t-elle commis? Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulté mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Et cela? Quoi? Toujours malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences? La grammaire qui sait régenter jusqu'au roi et les fait la main haute obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'ai garde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite et des lois du langage. On l'a 100 fois instruite.
Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente. Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos bons dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà-t-il pas encore de son style ? Ne servent pas de rien ? Oh, cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment ? Deux, pas mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous. Et je parlons tout droit comme on parle chez nous. Ah, oh, peut-on y tenir ? Quel sollicisme horrible. En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avons est un pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire ? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père ? Oh, ciel ! Grammaire est prise à contresens par toi. Et je t'ai déjà dit... D'où vient ce mot ? Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise ! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Quel martyr ! Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut ensemble accorder. Et qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe. Eh mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire ressortir ? Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point, retire-toi, Martine. Comment ? Vous avez peur d'offenser la coquine ? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi ? Point. Allons, sortez ! Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite ? Et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'aie à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice ? Pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare amas de vices, d'oraisons, de mots estropiés, cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des halles. Il est vrai que l'on sue à souffrir ses discours. Elle y met vos jeux-là en pièces tous les jours. Oh. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonnes soupes et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être, auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement insomme. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme d'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se haut
faussée vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui. Mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit, sur le corps, prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Ah, sollicitude! Ah, mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collé-monté. Oh. Voulez-vous que je dise, il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et hors un gros Plutarque, à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Montez pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens et sans brimborion dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où nous voyons aller tout sens dessus, dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former au bonne humeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse. Les leurs ne lisaient point. Mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien et leur livre un dé du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Triste. 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 Nulle science n'est pour elle trop profonde. Et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde, les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir. On y sait comment vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. Mes gens, à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon roc en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des vers quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs, et ne suis point servi. Une pauvre servante, au moins, m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler. Fougue-là. Je vous le dis. Ma sœur.
Tout ce train-là me blesse, car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse, au ciel, et d'âme, et de langage. Est-il de petit corps un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois, et de ce même sens ce petit que je sois. Je me veux mal de mort d'être de votre race, et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi? Non. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discutons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelque dégoût pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe, enfin. Je n'en dis rien, elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue. Et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins ne dites mot du choix de cet époux. Je veux, à votre fille, en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connais très bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur. Trissotin.
Quoi ? Ce monsieur Trissotin ? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté ? Moi, point, à Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu ? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle. Et c'est faire un grand pas. Avez-vous su, du moins, lui proposer Clitandre ? Non. Car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse ? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu ? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien sur l'aigreur de sa bile, perd comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. Et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle. Et mon cœur. Et mamie. Allez. C'est se moquer. Votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez. Vous faites mener en bête par le nez. Quoi ? Vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos vœux et prendre assez de cœur pour dire « Je le veux !» Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent à la famille et de tout votre bien revêtir un ego pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on égala et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela. Allez, encore un coup. C'est une moquerie. Mais votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Caron, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille. Et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable, comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme
à la barbe des gens. Pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin, on pèse. Je brûle de les voir et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Se met une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si puissants désirs. Des péchés. Faites-t-on. Et hâtez nos désirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas. C'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher et c'est dans votre cœur que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation peut lui servir de mère. Oh, qu'il a d'esprit. Oh. Hola. Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruit. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre et je n'ai nulle envie. Ah, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. Ah oui, non, c'est pas. Oh, voilà. Voyons l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute ignorant, ne vois-tu pas les causes? Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité? Je m'en suis aperçue, madame, étant par terre. Ah, le lourdeau. Bien lui prend de n'être pas de verre. De l'esprit partout. Ça ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de choses et je pense qu'ici je ne ferai point mal d'ajouter au... de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Sonnez. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Sonnez à la princesse Uranie Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.
Sonnez à la princesse Uranie. Silence, sur sa... ma nièce. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi superbement et magnifiquement. Faites-la sortir. Quoi qu'on dise, de votre riche appartement où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Toutou, laissez-moi respirer de grâce. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi qui fait que l'on se bat. Faites-la sortir. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit. Et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir. Quoi qu'on dit. Ah, ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts, n'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets, faites-la sortir quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant « quoi qu'on dit », avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensiez-vous, alors, y mettre tant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans le cœur. Cet ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables, tous deux. Venons-en promptement au tiercé, je vous prie. Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Oh ! Faites-la sortir. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Où cet ingrate insolemment. C'est ingrate de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi, sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en veut plus. On pâme. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisis. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains, de vos propres mains, la
noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout, on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Et le sonnet, donc, vous semblez... admirable, nouveau, et personne n'a et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi ? Sans émotion, ma nièce, vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante, et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Non, peut-être que mes vers importunent, madame. Point, je n'écoute pas. Ah, voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante donné à une dame de ses amis. Ah, ces titres ont toujours quelque chose de rare. À 100 beaux traits charmants, leur nouveauté prépare. L'amour si chèrement m'a vendu son lien, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Ah, Malaïs! Voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 000 000. Et quand tu vois ce beau carrosse, où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Ne dis plus qu'il est à Marante. Dis plutôt qu'il est de Marante. Oh, 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 celui-là ne s'attend point du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est à Marante. Dis plutôt qu'il est de Marante. Voilà qui se décline, Marante, de Marante à Marante. Je ne sais du moment que je vous ai connu si sur votre sujet... J'eus l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers. Oh. Mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer, en ami, 8 chapitres du plan de notre académie. Platon. Platon. Oui, Platon s'est au projet simplement arrêté quand de sa République il a fait le traité. Mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger tout tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau ou des beautés d'un poing ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de part. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées,
conduites en cela par des ordres meilleurs, qu'on y veut réunir ce qu'on sépare ailleurs, mêler le beau langage et les hautes sciences, découvrir la nature en mille expériences, et sur les questions qu'on pourra proposer, faire entrer chaque secte, et n'en point épouser. Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît. Épicure. Et ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps. Mais le vide à souffrir me semble difficile et je goûte bien mieux la matière subtile. Descartes, pour l'aimant, donne fort dans mon sens. J'aime ces tourbillons. Moi, ces mondes tombants. Oh. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On attend beaucoup de vos vives clartés. Et pour vous? La nature n'a point d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. La morale a des traits dont mon cœur était pris, et c'était autrefois l'amour des grands esprits. Mais aux stoïciens je donne l'avantage, et je ne trouve rien de si beau que leurs sages. Pour la langue, nous verrons dans peu nos règlements et nous prétendons faire des remuements. Par une antipathie ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit ou verbes ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. Contre eux, nous préparons de mortelles sentences. Et nous devons ouvrir nos doctes conférences par les proscriptions de tous ces mots divers dont nous voulons purger et la prose et les vers. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales, ces jouets éternels des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statues quand ils seront tous faits. Oh. Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages. Ah. Oh. Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous, oui, qui sachent bien écrire. Oh. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. Ah oui, c'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit. Hola. Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez. On va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a
des vieux auteurs, la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame. Oh. Autant comme de France. Du grec? Oh, ciel! Du grec! Il sait du grec, ma sœur! Ah, ma nièce, du grec! Du grec? Quelle douceur! Quoi? Monsieur sait du grec? Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. J'aurais pu troubler quelques docs d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose. Pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Ah. Hein? Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. D'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui, partout, va gueuser des encens, qui, des premiers venus saisissant les oreilles, en fait le plus souvent les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec. Là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme express, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Allez, grâce, et Vénus règne dans tous les vôtres. Non. Vous avez le tour libre et le beau choix des beaux. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en 12 astrées très Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Alors peut-on rien voir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Aux balades, surtout, vous êtes admirable. Et dans les bouts rimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade et je veux que tout net. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui. Hier, il me fut lu dans une compagnie. Et vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens, pourtant, le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis point du tout et que d'un tel sonnet
Ah, peu de gens sont capables. Oh, hein. Le ciel d'en faire de semblables. Moi, je soutiens qu'on ne peut point en faire de meilleurs. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous ? Moi. Bon, je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Non, il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez. Petit grimaud. Barbouilleur de papier. Allez. Rimeur de balles. Opprobre du métier. Allez. Fripier d'écrit. Imputant. Plagiaire. Allez, cuistre ! Hé ! Messieurs ! Que prétendez-vous faire ? Allez, va. Restituer tous les hontes larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire, amende honorable au Parnasse, d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix et l'on t'y voit partout être en but à ses frais. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule. Ainsi qu'un misérable, il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un humble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire, et ses coups contre moi redoublés en tout lieu. Montre qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Ouais. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose. Grec et latin. Eh bien, nous verrons cela seul chez Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme, c'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autres affaires.
Approchez Henriette, depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner. De faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances et la pensée, enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère ? Oui, vous. Faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement. Madame, et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met... Tout beau, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez. Savez-vous bien que si... Suffit. Vous m'entendez. Elle se rendra sage. Allons. Laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère. Et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous ? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterais votre offre, avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais les trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère. Assure-nous une entière puissance. Et vous croyez en vain, par votre résistance... Allons. Ma fille. Il faut approuver mon dessein. Ôtez ce gant. Touchez à monsieur. Dans la main. Et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire ? Je dis...
que j'appréhende fort qu'ici, ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux. Taisez-vous. Père Honnel. Allez philosopher tout le sou avec elle, et de mes actions ne vous mêlez en rien, dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite. Fort bien. Vous faites des merveilles. Quel transport. Quelle joie. Que mon sort est doux. Allons, prenez sa main. Et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Oh, les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toute cette tendresse. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui, rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine devant moi, s'est-il donné le temps d'en recevoir la loi ? Et semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses vœux. Et qui doit gouverner ? Ou sa mère ? Ou son père ? Ou l'esprit ? Ou le corps ? La forme ? Ou la matière ? On vous en devait bien au moins un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir, malgré vous, devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait, et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu, toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire. Et jamais il ne m'a prié de lui rien lire. Je ne souffrirai point, si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il puisse être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelques pensées que là-dessus je parle en fille intéressée et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie. Et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraires, et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discourant entre nous qui lutte au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit sot. Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace. Brutal. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. Oh. Impertinent ! Souvent, nous en étions aux prises. Et vous ne croiriez point de combien de sottises. Eh, doucement. De grâce,
Un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans. D'une constante ardeur, mes soins empressés, devoirs, respect, service, dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez. Est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire? Et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens net et débarrassé. Et vous ne goûtez point, dans ses plus doux appas, cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous ont produits, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs. Et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer. Et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, ne vous déplaise, un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce des sens, si bien débarrassées. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse, à toute la personne.
Ce n'est pas là matière à de grands châtiments. Et sans faire de tort à vos beaux sentiments, je vois que dans le monde on suit fort ma méthode. Et que le mariage est assez à la mode. Passe pour un lien assez honnête et doux. Pour avoir désiré de me voir votre époux sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles, si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir, pour vous, à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Mais par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvée de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux? Eh, madame... Prêt. Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de Monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits, qui chez vous m'est contraire, ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire. Il en est et plusieurs que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais Monsieur Trissotin n'a pu duper personne et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Hors séant, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappée belle. Un monde... près de nous, a passé tout du long et chu tout au travers de notre tourbillon, et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. Ah oh ! Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame, et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment... qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas de ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru que jusqu'ici, c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisque ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Hein. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fa devient impertinent.
que l'ignorance est pour vous de grand charme, puisque pour elle ainsi, vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ah, c'est certains savants, là, peuvent aller connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur... Eh, madame, de grâce, monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensante aigreur de chaque répartie dont vous... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats, pourvu qu'à la personne, on ne s'attaque pas. Eh, mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant qu'homme de France. Et de bien d'autres traits, il s'est senti piqué sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas qu'au combat que j'y suis, devoir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance, et c'est en courtisant qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour? Et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous, avez, vous autres beaux esprits, vous déclamiez contre elle, que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle, et sur son méchant goût, lui faisant son procès, n'accusiez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien, vos confrères et vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. Qu'à le bien prendre, au fond, elle n'est pas si bête que vous autres messieurs vous vous mettez en tête, qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout, que chez elle, on se peut former quelques bons goûts, et que l'esprit du monde y vaut sans flatterie tout le savoir obscur de la pédanterie. De son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle est si mauvaise? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Razius et Baldus font honneur à la France. Que tout leur mérite, exposé fort au jour, n'attire point les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin, mais que par modestie, vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie, et pour ne vous point mettre aussi dans le propos... Que font-ils pour l'État, vos habiles héros? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur docte nom, elle manque à verser la faveur de ses dons? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire et des livres qu'ils font, la cour a bien à faire. Ils semblent à trois gredins dans leur petit cerveau que pour être imprimés et reliés en veaux, les voilà dans l'état d'importantes personnes. Qu'avec leurs plumes, ils font les destins des couronnes. Qu'au moindre petit bruit de leur production, ils doivent voir chez eux voler les pensions. Que sur eux, l'univers a la vue attachée. Que partout de leur nom, la gloire est épanchée. Et qu'en science, ils sont des prodiges fameux pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux. Pour avoir eu 30 ans des yeux et des oreilles, pour avoir employé 9 ou 10 000 veilles à se bien barbouiller de grec et de latin et se charger l'esprit d'un ténébreux butin de tous les vieux fatras qui traînent dans les livres. Gens qui, de leur savoir, paraissent toujours ivres, riches, pour tout mérite en babil importun, inhabiles à tout, vides de sens commun et pleins d'un ridicule et d'une impertinence à décrier partout l'esprit et la science. Votre chaleur est grande. Et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. Mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Le savant qui, tantôt, vous a rendu visite et de qui j'ai l'honneur d'être l'humble valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter
au travers d'un discours et qu'aux gens d'un logis, il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage, que vous n'ayez lu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez noter en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé l'effet. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ses nobles avis et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister. Et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur, que voilà, saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle. Et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé. Et que de votre appui, je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes vœux et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier, vous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon gendre. Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toute chose à servir vos amours. Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme, mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui? Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre? Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux.
Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe à d'indignes appâts, et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi n'est-ce ce point-là ce qui me charme en vous. Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors dont je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre. Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on saurait estimer. Mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien, clitendre s'est fait mettre. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai des méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitandre. Et par mille doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non. À ces premiers vœux, mon âme est attachée. Et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous librement, j'ose ici m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait monsieur par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse, mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement, et ne vous servez point de cette violence que, pour vous, on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même.
Ne poussez point ma mère à vouloir par son choix exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter, de ne vous point aimer. Peut-il être capable? À moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes appâts. Eh, monsieur, laissons là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de phyllis, d'amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle. Ce n'est point mon cœur. D'elles, on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. De grâce, monsieur. Si c'est pour offenser, mon enfance envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur, jusqu'ici de vos yeux ignorés, vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien ne peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère, et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aie, il n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence ? Qu'il ne fait pas bien sûr à vous le trancher net d'épouser une fille en dépit qu'elle en est et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi. Et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme à vous si singulière mérite qu'on lui donne une illustre matière et digne de trouver qui prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme, à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, je le laisse à quelque autre et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ma fille. Je suis bien aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettez vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents,
Martine, que j'amène, et rétablis Séan. Vos résolutions sont dignes de louanges. Gardez que cette humeur, non, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte. Comment ? Me prenez-vous ici pour un benêt ? M'en préserve le ciel ? Suis-je un fat, s'il vous plaît ? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable ? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi ? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme ? Non, mon père. Ouais. Qu'est-ce donc que ceci ? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. C'est ma volonté, Séan, doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun hors moi dans la maison n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Oui. Oh, le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire ? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus doux de mes vœux. Veuillez être obéis, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Laissez-moi. J'aurai soin de vous encourager s'il en est de besoin. Oui. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage ? Notre style est fort bon. Je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. Ah, quelle barbarie au milieu de la France. Mais au moins, en faveur, monsieur de la science, veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents et dater par les mots d'Ide et de Calandre. Moi, si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie, en vain, nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah, ah ! Cette impudente encore ose se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi ? Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où est donc la future ? Celle que je marie est la cadette. Bon. Oui, là voilà, monsieur. Henriette est son nom. Or bien. Et le futur ? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne je prétends qu'elle épouse, est monsieur. Deux époux, c'est trop pour la coutume. Où vous arrêtez-vous ? Mettez, monsieur Trissotin, pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, monsieur Clitandre. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux. Quoi donc ? Vous combattez les choses que je veux ? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille.
Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage, un fort, digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais. Vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point la femme à prescrire. Et je somme pour céder le dessus, en toute chose, aux hommes. C'est bien dit. Mon congé, 100 fois me fût-il hoc, la poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gausse quand sa femme chez lui porte le haut de chausse. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse. Et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabassât mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, 1000 fois, je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autre livre que moi. Qui ne sache A ne B, n'en déplaise à madame, et ne soit en un mot docteur que pour sa femme. Est-ce fait? Et sans trouble, ai-je assez écouté votre digne interprète? Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux. Ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà, dans cette affaire, un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Eh, mon père! Eh, monsieur! On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue, mais nous en bannissons la substance étendue. J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une, pour vous, me vient de votre procureur. L'autre, pour vous, me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu?
Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné. Oh. Ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet. Et vous vous êtes là justement récrié. Il devait avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur, votre frère, me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous deux banqueroute. Au ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien? Ah, quel honteux transport! Fille, tout cela n'est rien. Il n'est, pour le vrai sage, aucun revers funeste et perdant toute chose. À soi-même, il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien nous peut suffire, et son bien nous peut suffire. Et pour nous, et pour lui. Non, madame. Cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymne, tout le monde est contraire et mon dessein n'est pas de contrarier les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De temps de résistance. À la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras. Et ne veut point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois deux. Vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie de refus offensant qu'il faut qu'ici j'essuie. Je veux bien que de moi, l'on fasse plus de cas. Allez, je baise les mains à qui ne me veut pas. Ouais. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin je m'attache, madame, à tout votre destin et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux. Et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi ? Vous vous opposez à ma félicité ? Et lorsqu'à mon amour, je vois chacun se rendre ? Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre. Et je vous ai toujours souhaité pour époux lorsqu'en satisfaisant à mes voeux les plus doux. J'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait, sans vous, insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi.
Des retours importants, évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre ? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir, et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe à l'essai pouvait être. Le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat, cet hymen s'accomplisse. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez? Ce ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Prends